Bonjour à YouTube, oui, alors vous dites quoi? Il s'arrête après un donjon et on se retrouve devant la statue. Oui, on se retrouve devant la statue parce que justement le donjon nous a donné voilà ce qu'il nous faut et que là, pour pas vous faire chier, j'ai fait de la boue. Voilà, vous allez voir ça. Déjà, la musique. De la bouffe, de la bouffe. On est content. Regardez, voilà, il y a plein de bouffe, de tout, il y a de tout et de rien. Des Nikers au Visa, tout ça, tout ça. Et je pense qu'on va faire la deuxième barre d'endurance et après on partira sur des cœurs jusqu'à obtenir la Master Sword. Macus est sur le coup. Ouais. Non, tout ça on s'en fout. Alors. J'ai. Voilà, c'est mon projet. C'est un projet. C'est. See the world. Et je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de juste, en fait, faire que les tours. Pour finalement avoir toute la map et après. Mais alors, faire que les tours et pas forcément les donjons qui sont. Ou elle a peut-être un donjon de temps en temps. Mais voir le monde. Pourquoi pas, hein, après tout. Alors que tu. Le décor. Pas logique. Oui, non, mais je finis ce que j'ai engagé. Voilà, c'est tout. Je finis ce que j'ai commencé, c'est tout. Par contre, on est d'accord que maintenant je peux sortir par n'importe où. Parce que du coup, j'irais bien là. Je sais pas ce qu'il y a, mais je suis sûr qu'il y a un Korogu. Donc ça voudrait dire au. Oh, par là, probablement, ouais. Par là. Faire les tours du monde. Oui, c'est vrai ça. Plutôt que le tour du monde, faire les tours du monde. Exact. Non mais regardez cette demi-barre d'endurance. On peut pas la laisser comme ça, quoi. Quoique. Alors on est d'accord que ça va plus me re-TP. Je peux me balader maintenant. Ah merde, on peut pas, on peut toujours pas. On peut toujours pas se balader en chantant la la la. Est-ce qu'il faut toujours une torche pour ressortir? Par contre, oui, j'ai plus besoin d'avoir chaud. Voilà. Je trouve ce casque dégueulasse, par contre. Qu'on soit bien clair, je le trouve ignoble. Oh non, ça veut dire que même pour ressortir. Attendez, je suis en train d'y aller au pif. Hein. Et même. Même pour ressortir maintenant, ou je peux. Je peux un peu explorer là où je veux. Ah, ça a l'air ok. Ça a l'air ok maintenant. Oh non, pas là, pas là, pas là. Ah bah non. Vraiment un seul. J'évite des dramas nuls. Non mais il y a pas de souci, mais je pensais qu'on s'était mis d'accord hier. Oh, c'est pas. Voilà, c'est. Moi je dis ça pour vous. Hein. Tu sais quelle est ma politique. Alors, du coup. Ah bah du coup je suis sorti. Donc est-ce que ça serait pas le meilleur des plans? Donc ça veut dire que là, je peux enfin longer. Mais non, mais. Ah, et du coup, j'ai pas eu le temps de faire le son des 1 an. Voilà. Mais où ça marche? Oui, oui, j'ai fait. Ah, ça y est, là c'est bon, je suis sorti. Oui, enfin! Sorti de ce calvaire d'enfer. De la nuit.
On ne s'en sortira jamais. Chocolat. Alors, est-ce qu'il y a un moment où cette brume va me foutre la paix? C'est-à-dire que si je fais vraiment tout le tour. C'est de sub en renouvellement automatique, il n'y a pas de notif, donc il râle pas. Bah, ce qu'on ne voit pas ne fait pas de mal, comme on dit. Mais comment je vais aller là, du coup? C'est drama, ça? C'est dramatico-dramatique. Parce que je suppose que dès que je vais poser le pied là, il va m'emmerder. Votre village consanguin, il commence un petit peu à... Tu peux annoncer le renouvellement. Ah oui, si, c'est vrai, oui. C'est vrai. C'est vous qui choisissez. Alors, est-ce qu'on n'irait pas tout là-haut, sur la montagne, et on se décide à faire notre plan machiavélique de See the World. I don't want to set the world on fire. Alors, autant Fallout 4, j'ai beaucoup aimé, même si je l'ai pas fini parce que... Autant les musiques de Fallout 4, c'était absolument génial. Ne vous inquiétez pas, c'est le dernier chocolat. À un moment ou à un autre, on fera peut-être une petite pause café. Par exemple. Et c'est quoi ce... Par contre, on est d'accord qu'il y a une île qui vole. Allez, c'est parti. I have a plan. On va passer quand même derrière le château d'Hyrule. Et ça... logiquement, c'est pas très très bon plan. Par contre, le sens du vent, on est d'accord que... I don't want to set the... Pour rester dans le thème. Non, 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 du coup, il n'y aura pas de Béolithic Park. J'ai pas installé le jeu, j'ai pas testé, pas configuré. Donc, ça sera pas non plus le week-end prochain, n'étant pas disponible. Bah, tant pis, ça sera en mars. Il n'y en aura pas ce mois-ci. Et c'est ainsi. Je n'avais pas qu'à être un gros caca humain. Et m'organiser un petit peu mieux. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. On avait dit qu'on prenait la lance nulle. Hein. Allez, cassez les culs! Allez, cassez les culs, là! C'est passé, ce jeu, maintenant, c'est Apex, exactement. Mais Apex, pour avoir regardé 2-3... 2-3 minutes, non, 10-15 minutes, plusieurs parties de bons joueurs, on va dire, ça a l'air effectivement assez sympa, je veux dire, dynamique, de l'action, tu te fais pas one-shot. Enfin, c'est, tu te prends pas une balle venue de nulle part, c'est, tu te prends plusieurs tirs, t'as quand même le temps de te planquer. Les recharges, les vies ont l'air d'être assez équilibrées. Enfin, pour l'instant, il a l'air effectivement d'être assez, assez sympathique, ouais, assez équilibré, assez fluide. Beaucoup de plaisir à y jouer, en fait. Voilà, un mélange peut-être entre PG et Fortnite. La fluidité et la rapidité de Fortnite, un truc comme ça. Et je dis des conneries, hein, attention. Et le gameplay et on va dire le sérieux de PUBG.
Genre handygame. Ah, il y a peut-être une courbe d'apprentissage peut-être aussi un peu plus élevée, qui sait. Apex s'est passé, maintenant c'est Tetris 99. Oui, c'est ça. Il y a forcément un Korogu là-dessus. Un Korogu se cache. Ah, c'est vrai que j'économise de plus en plus là pour avoir que les slots d'armes en fait. Bonjour, bonjour Nichols. C'est ici l'emmerdement, tout à fait. Ah, just. Ouais, je sais pas pourquoi je m'arrête de sprinter, parce qu'en fait, voilà, je peux sprinter plus longtemps et attendre que la barre se recharge. Ah, des truffes. Oh, un Korogu. Regardez, les arbres en rond. Et une pierre, un Korogu. Je sais que Metro Exodus est sorti. Je sais qu'il est sorti. Et ça ne change rien à ma programmation. J'ai plein de jeux à faire. À base de Dead Space 2, Resident Evil 2, Metro Exodus, Hades. J'en ai plein en tête. Mais pour l'instant, c'est Breath of the Wild, vous allez en chier, je vous avais promis. Je vous avais promis de l'emmerdement et du sang et du... voilà. Compromis, chose due quand même. Mais je le ferai, Exodus. Mais je le ferai après tout le monde. Voilà. Quand la hype de ceux qui ne savent même pas ce que c'est, ils auront joué, auront fait des vues. Moi, je le ferai pour le plaisir. Voilà. Ready? Mais qu'est-ce que je prends? Alors, est-ce qu'on peut les attaquer? Ouais. On peut les attaquer. Est-ce que je me sens chaud à ce point-là? Est-ce que je suis con à ce point-là? Alors déjà... déjà on va mettre un petit marqueur. Hein. Comme quoi il y en a un là. Ah oui, Matt Time at Portia, tout à fait. Salut, tu découvres le jeu? Tout à fait. Alors maintenant c'est moins de la découverte vu qu'on est à je sais plus combien de temps de jeu, mais c'est toujours aussi anarchique. On va prendre celle-ci. C'est un bleu, hein. On va se faire complètement anusser. Par contre, on est d'accord qu'il y a tellement de bruit de pluie qu'il va pas m'entendre arriver derrière. Je vais me faire tellement one shot. Mais c'est pas grave, on a la Mifa. Bonjour. Bonjour, 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 bonjour. C'est parti. C'est parti pour les emmerdes. Alors. Ça serait pas mal. Avec en petit plus, un petit peu de défense. Moi je dis, moi j'ai des banco. Et on va bouffer des pommes pour compléter. Allez, lève-toi Link. Pas sûr que ça soit... Ah, j'avais même pas regardé mon... je voulais pas les flèches de feu en fait. Sauterelle enduro. Ah, ça aurait été... Il a l'air d'avoir des belles armes sur le... Ok, il s'en fout. Ah, il va prendre l'arbre.
lui passer entre les jambes, bah ouais. Bah voilà ce que ça donne. C'est douloureux. Ah ouais, donc en fait, faut que je fabrique quand même de la bonne bouffe, hein. Putain, mais pourquoi je commence par faire ça? Oh non! Ah, j'ai raté, j'ai plus de flèches. Allez. Ah, non! Ah, il a compris. Il avait compris. Non, 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 non. La vache. Mais non, mais arrête de pousser ce tronc. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Alors, est-ce que je fais péter le truc à Mifa, là? Hmm. Sandy, merci. Ah Clem, c'est Clément. Merci à toi pour le follow. Oui, merci. Je n'ai pas les sons d'alerte, c'est pas ça, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Miam miam, ma miam des trucs nuls. Par contre, qu'est-ce que je peux faire pour... Si ça le blesse, mais il faudrait plus ça en fait. Alors ça, ça aurait été... Quoi? Honteux. Ouais, quand même. Yes. Yes, on l'a eu quand même. Eh bien, c'était... c'était... De la carpe grillée. C'était... on a pris pas mal de ressources. Hein. Encore, dis merci. T'as oublié le bouclier. Non, fais le bouclier, c'est pour les faibles. Non, mais quand on se fait écraser, tu veux... À quel moment tu veux que j'utilise un bouclier? Oui, merci. Emrika pour le follow. Oui, merci. Non, mais truc du soldat, c'est nul. Et ça, c'est la même que j'ai. Bah, autant... Ah! Attendez, on va déjà ramasser tout ce qui a été pété. Dans le coin, voilà. Ah, il y avait vraiment une fleur, enfin une... Comme quoi un combat, hein, ça laisse des traces, hein. Le champ de bataille. Hein? Pourquoi elles brillent à ce point-là? Ah, c'est qu'elles ont des affixes! Ouais, mais du coup, j'ai trop de... Bon, déjà ça, hein. Au bout d'un moment, merde. Pourquoi tu n'utilises pas ton bouclier? Mais mon pouvoir de bouclier s'active tout seul. Et sauf que quand je me fais écraser, ça sert à rien. Alors. Et en retard par rapport à ta cam, genre tu réagis quasi avant. Oui, tout à fait. Ça, je l'ai déjà expliqué pourquoi je réagis avant, finalement, ce que vous voyez. C'est parce que je n'ai pas non plus un setup monstrueux. 14. Ah ouais, mais même 14, non. C'est un setup d'amateur et que lié à ça, en fait, le temps de la capture, si je puis dire, il y a une seconde entre moi, ce que je vois, et ce qui est retransmis par le PC. Vous savez, le temps de voilà, la carte d'acquisition, le temps qu'elle capte, qu'elle fasse la transmission et qu'elle vous l'envoie. Donc, pour essayer de contrebalancer ça, j'ai rajouté du délai à la caméra et au micro. Qui est... Ah, et la synchro labiale. Ah bah justement, on en parle. Pour essayer un petit peu hein, de contrebalancer ça. Tac. Attendez, hein, je refais... hop, hop. Ça. Et ça.
Hop là. Dites-moi, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux ou pas? Pour essayer de contrebalancer ça, du coup, j'ai rajouté du délai à la caméra et au micro, mais je ne peux rajouter qu'une demi-seconde de délai, alors que j'aurais dû rajouter une seconde. Mais je ne peux pas, c'est le logiciel qui m'en empêche. Donc voilà, je ne peux que vous dire que j'ai essayé de faire au mieux avec mon setup de Clodo. Il a trouvé Excalibur. Oui, on a trouvé la Master Sword, oui, mais je n'ai pas assez de cœur pour la ramasser. Et là, je sens que je vais jamais pouvoir y aller parce que le vent va me pousser. Le vent m'emportera. Tout disparaîtra. Ah. Ça a l'air ok. Alors, on va peut-être juste... On va tout de suite partir là-dessus. Tu es mort sur la Master Sword? Non, la première fois il nous arrête, le gentil monsieur, là, le gros monsieur d'abord, l'arbre mojo, le Deku Tree, nous arrête la première fois. Oh bah si, bon il n'y avait pas besoin de l'escalade. Ok, je sens que ça va être encore des embrouilles. Pourquoi je peux pas m'en équiper? Oh l'enculé! Oh l'enculé! Roland! Roland enculé! Finir les têtes! Finir les têtes! Fuck! Oh, jamais de la vie que je survis, jamais. Jamais de la vie que je survis. Ah, ah, je l'ai pété, je l'ai pété. Oui, oui. Mais non, bordel. Les têtes, vise les têtes. Vise les têtes, je joue comme un pénis. Vise les putains de têtes. Oh mon dieu, le nombre de ressources que j'aurais gaspillé. Ah la vache. Alors, tous les boucliers y sont passés. Tout. La grosse bouffe. Tout ça pour un Korogu de mort. Hein. De l'astuce de renvoyer les dégâts avec. Oui. Ah oui, oui, mais. Oui, alors renvoyer les dégâts, oui, mais. Putain, j'aurais dû envoyer une bombe, ça aurait été tellement mieux. Finalement, tu survis, je suis déception. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Les gens ne veulent. Ne veulent. Ah, yeah, bah, ne veulent me voir que mort. C'est quand même dégueulasse. Oui. Best photo ever. Hein. Cadrage sur 20. Alors du coup on est d'accord que... Ça je connais. Ça je connais. Je connaissais pas. Ça c'est ok. Ça c'est... Ah! Ça, je connaissais pas. Ça, ça m'a coûté tellement cher. Je suis sûr que je serais venu deux jours, ça aurait été moins de soucis, peut-être. Mais je m'y attendais tellement à cette baiserie. Ah, merci. Je vais dire, dis-moi que mon...
Mon set de bouclier est trop... est trop complet. Eh, je finirai peut-être par avoir toutes les armes à un moment ou à un autre. Hein. Et là, je vais ouvrir le... Ah, flèche explosive. C'est quand même bien fait. Tout ça pour... un corogu. Ok, faut que en plus, faut que j'allume le feu. Mais comme il pleut, faut que j'attende. Quelle belle soirée! Alors, ça par contre, on va prendre. Qu'est-ce que j'ai comme arc? Je vois. Je vois. Eh ben, on va jeter notre arc tout pourri. Et on va prendre celui-là. Par contre, on va s'équiper d'un autre arc tout pourri. Voilà. Comment je vais allumer le feu? À part, bien sûr, en... en utilisant une flèche de feu. Pourquoi il y a un arbre tout au milieu de l'île? Bah, pour un corogu, bien sûr. Mais moi, je pensais qu'il fallait... enfin, faut allumer la flamme. Alors, on va voir à quelle vitesse ça se recharge, les... Par contre, au niveau bouffe, je crois que j'aurais dû passer plus de temps à en faire. Parce que là, c'est un enfer. Attends, on va juste manger ça. J'avais des carpes, j'aurais peut-être dû essayer ça plutôt. Bon, est-ce qu'il pourrait s'arrêter de pleuvoir? Oh, il va pleuvoir encore très longtemps, c'est horrible. Ah maintenant, le feu, c'est pour me faire attendre. Pour ça, il faudrait que je puisse allumer le feu. Ah oui, c'est vrai, les armes de feu, ça par contre, ça j'aurais pu y penser par contre. Et ça fait pas un corogu, ça. Oh ouais, non, attendez, on va se respecter. Oh la honte, me faire toucher par ça. Est-ce que ce monde est sérieux? Donc toujours pas? Quoi, il faut que j'enflamme le... Il est peut-être dessous. Non, la pierre, je l'ai déjà soulevée. Il n'y avait rien. Non, mais c'est... Ne dites pas que j'ai fait tout ça pour rien. Il y a forcément quelque chose. Bon, à part ces papillons, libellules, je sais pas. Je vais ramasser. Non, il y a forcément quelque chose. Ça peut pas être juste de l'enculerie. Parce qu'il y avait une épreuve. Une pseudo-épreuve. Hein. Qui m'a d'ailleurs bien annucé. Piège à con. T'aurais dû regarder le... Hein? L'île du Morianne. Ouais bah quoi? Active ton radar avec sanctuaire. Il est déjà activé en fait. C'est pour ça. Voilà. Voilà. Comme ça je sais. Ah non, ça l'a récupéré alors que j'en veux pas. Non mais c'est tout nul ça. C'est tout nul ça, monsieur. On va attendre jusqu'au matin, histoire que la pluie peut-être cesse. また
Encore une lune rouge, non! Ça veut dire qu'ils vont tous respawn! Ils vont tous respawn! Chez! Ah, et du coup, j'ai plus d'armes équipées. Et il y a de l'orage! Oh, la vie est belle! Attendez, est-ce que vous croyez que si je frappe l'arbre avec un éclair, il y a un Korogu qui sort? J'ai presque envie d'essayer. Ah, c'était tout proche, mais ça a pas suffi. Non mais c'était forcément un piège à con. Non, c'était un piège à con. Allez le maïeul, bon joueur. Il y a des endroits où il n'y a rien à faire aussi parfois. Eh merde, c'était un piège à con. C'était un piège à con et je suis tombé dedans. C'est normal. Le premier qui répond « Je suis un con » a perdu. Bon bah ma seule arme c'est mon arme en bois. Eh bah génial, merci le jeu. Non mais t'as raison de me l'avoir dit, sinon je crois que j'aurais traîné encore pas mal de temps par ici. Repartons. Et je suis absolument pas déçu. J'ai absolument pas gaspillé 15 000 ressources pour que dalle. Je le vis bien. Un cimetière référence à Ocarina of Time. Ah ouais. Ouais, peut-être. Ah non, le cimetière dans Ocarina of Time, il est justement devant la cathédrale du temps. Merde, l'arc. Tiens, ah bah oui. Allez, on remet ça. Non. Spoil, non. Et lui, il se fait pas foudroyer. Je veux dire, il a deux armes. En ceinture sur le son, voilà, et lui il sera pas foudroyé. Jeu de merde. C'est en fait, c'est Dieu qui nous en veut. Je connais ton côté obsessionnel. Ah ouais, non mais je serais resté 3 heures hein. Je vous invite à aller voir l'une des dernières vidéos de Subnautica qui sort, où on reste, je pense qu'on reste une demi-heure à empiler des caisses pour monter à un étage. Et au final, il n'y a rien. Ah, l'arbre mojo. Ah, d'accord. Ça serait ça. Donc ça serait l'ancien village Cocorico. Du calme, le cosmos. Une écaille d'Ordrax. Une écaille de cette merde. Non, 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 c'est pas vrai, tu m'as pas vu. Philippe, Patrick, venez m'aider. Pourquoi j'ai pas pris mes chevaux? Oh, lui il va se taire, il va très vite se taire. Non, c'est pas ça. Casser le cul, moi. Il est où le dernier? Ok, il s'est barré. Bon bah on va aller vers celle-ci, hein. Coucou le monstre. Ouais, non, au revoir surtout. Alors déjà que le premier linel, le rouge, il m'a refait un deuxième anus. Voilà, très pratique pour aller aux toilettes. Mais à part ça, ouille, ouille. J'ai mal à ma dilatation. Mais voilà. Là le bleu, ça veut dire qu'il est encore plus vénère. Une écaille d'ordre. Putain.
Et on peut choper une écaille sans le tuer. Ah, là il y a un Korogu. Là il y a un Korogu. Je le sens. Oui, ça j'ai compris. Hein, les loups, c'est des petits. C'est des petites pucelles. C'est-à-dire, dès que. Voilà, dès que t'en tues un, les autres. Vous croyez que ça marche? Vous croyez que ça marche, ça? Oh bon, ok. J'ai 18 flèches, alors on est d'accord que... Attendez, je vais faire un test d'abord. Que j'ai peut-être pas assez de flèches pour ça. Si je le détruis, ça revient? Toc. C'est à ce moment-là où, en théorie, il faut tirer une flèche. Est-ce qu'il faut que je tire une flèche explo qui, quand je tire au milieu, c'est ça. Ah non, il reste plus que lui. Oh, c'est moi qui avais fumé. Raté. Mais bordel. J'aurais pu tout faire en une flèche, hein. Cullard. Cullard. Ah. Bon, bah ça c'est fait. Merci pour les flèches. C'était délicieux. Oh, il est gros lui. Enfin, le gros monsieur d'abord. Ça reste un chuchu classique. Est-ce qu'il va se diviser en petits? Non. Et à quoi ça sert ces composants de gelée chuchu? J'en ai plein de toutes les couleurs, des crayons, des bleus, des roses, des... Piquez le cul! Super! Encore un éclair! Encore un matin! Un matin pour rien! Est-ce qu'on peut se faire frapper par la foule même si... Tout ça pour un Korogu? Ah bah non, de toute façon ce jeu c'est tout ça pour ça quoi. Est-ce que je peux me faire frapper par un éclair même si j'ai pas d'arme? Par contre je trouve que la... Mais j'ai compris pourquoi la lune rouge est arrivée si vite. Parce qu'en fait il était 5h50 du matin quand je me suis dit attendre jusqu'au matin. Du coup il m'a fait une journée entière, j'ai fait passer une journée sans rien branler. Donc... Ça a fait avancer beaucoup plus vite la lune rouge. Ah ouais. Cool. Alors par où? Par là, par là. Par là, il y a un donjon. Link, vas-y Link. Tu peux le faire. Ça recharge lentement hein, quand même. Par contre, j'ai gaspillé des fées. J'ai gaspillé des fées, des crayons, des silos. Ah, libellule volt. Des fées, des crayons et des... Attendez, je vais essayer de profiter d'un truc.
Merci. Merci, merci le vent. Et j'ai glissé sous le vent. Elle peut exploser si elle se fait frapper, donc faire des pièges. D'accord, ok. Ok. Ah! Formidable. Et paf, pastèque. Du coup, vous savez ce que ça signifie, YouTube? Ça signifie qu'on se retrouve très prochainement.